Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment mettre un arrêt total. Car si vous êtes comme moi et que le soir, vous aimez écouter des podcasts, de la musique, du YouTube ou toute application musicale, eh bien parfois, je pense que vous êtes arrivé à vous endormir avec la musique dans les oreilles. Et franchement, ce n'est pas si bon que ça. Allez donc, c'est parti, on va tout de suite attaquer la première partie avec... Horloge, 10h17. Action disponible. Alors, une fois qu'on ouvre l'application Horloge, on a exactement 5 onglets tout en bas. Si vous positionnez votre doigt sur le Touch ID, le bouton Home, et vous levez doucement votre doigt, vous allez tomber sur l'onglet... Sommeil, onglet, 3/5. On part donc deux coups à gauche. Alarme, sélectionné. Horloge. L'onglet qui nous intéresse, nous ici, c'est le cinquième. Donc on part tout de suite au fond, au cinquième. Alarme, sommeil, chronomètre, minuteur. Et voilà donc l'onglet qui nous intéresse, minuteur. On va rentrer dedans. Sélectionner, minuteur. Une fois rentré dans minuteur, on va partir sur la droite avec des petits pitch qui vont nous dire 0 heure, élément du sélecteur, ajustable. Ici, c'est des éléments ajustables en glissant un doigt vers le haut ou vers le bas. Exemple. 1 heure. 0 heure. 1 heure. 2 heures. On part à droite. Sonnerie. Signal. Bouton. Ici, on est sur un minuteur qui va nous sonner lorsque le temps sera terminé. Nous, ce qu'on va vouloir, on va rentrer dans ce bouton. Sonnerie. Et ici, on a tout un choix de sonnerie. 33 exactement. Mais la 33e, c'est celle qui nous intéresse, qui s'intitule... Arrêtez la lecture. C'est ce qui nous intéresse, puisque là, lorsqu'on va cliquer ce bouton... Sélectionner. Arrêtez la lecture. On va aller complètement en haut à droite sur le bouton... Choisir. On va le valider. Choisir. Minuteur. Ici, on sait qu'on a mis un minuteur de 1 minute. Alors, étant donné qu'on est sur 1 minute, maintenant, on va lancer le minuteur ici de suite. À droite, on a le bouton sonnerie, arrêter la lecture, annuler, estomper, bouton et le bouton démarrer. Horloge, 19h, vidéo et lancer YouTube. Comment entrer ou sortir du mode DFU? Lecteur. Bon. Une fois que l'on sera, une fois la vidéo lancée, vous allez voir que l'iPhone va se verrouiller automatiquement et s'éteindre automatiquement. Le bouton qui se met sur YouTube, voilà. Bouton. Sans avoir rien touché, instantanément, tout s'est arrêté. L'iPhone s'est remis sur l'écran d'accueil avec l'heure et dans quelques instants, il va s'éteindre. Donc ça veut dire que grâce à cette technique, vous allez pouvoir minuter votre temps d'écoute de podcast, de musique, de vidéo et vous endormir au bout d'une demi-heure sans avoir de crainte de continuer à écouter quoi que ce soit comme musique que vous avez dans les oreilles. Voilà donc pour cette vidéo, pour minuter votre temps d'écoute, éviter de vous endormir pendant l'écoute de musique ou de podcast, grâce à l'application Horloge. Minuter votre temps d'écoute va être très simple et vous endormir sans musique dans les oreilles sera très simple. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne car la prochaine vidéo va concerner l'application Sommeil et on va voir ensemble comment déterminer des plages de sommeil et des réveils en douceur. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !